Isaka Bakche. J'ai 17 ans. Je suis en terminale L. La littéraire. J'ai 10 de moyenne. Donc, si on se demande, est-ce que je suis vraiment littéraire? Ça m'intéresse, mais il paraît que je ne bosse pas assez. Mais ça m'intéresse vraiment. C'est la première fois que je fais de la philo cette année. Et j'adore débattre. Et j'essaye de me trouver, de m'intégrer dans une idéologie. Et puis voilà, j'essaye de me trouver cette idéologie que je peux à fond supporter et lire. Et puis voilà. Mais je pense que la réflexion n'est pas... Enfin, c'est la seule chose qu'ils demandent, bien sûr, mais essayer de trouver une solution à quelque chose n'est pas suffisant. Oh. Je sais pas, je suis pas sûre, mais nous avions un bac blanc de philosophie. Donc on a eu un texte, une explication de texte, et Nietzsche. Par au-delà, le mal et le bien, le mal, c'est bon. Et je suis en train de lire le texte. Ok. En même temps, il y a une question de dissert sur la mort. On n'a pas encore fait la mort, je ne sais pas quoi dire. Et j'ai pas envie de penser à la mort, bien sûr. Donc, je me suis mise sur l'explication du texte. Je suis en train de lire. Ça commence. Je transpire. Je suis en train de lire. Ça continue, ça continue, ça continue. Et tout le monde commence à se regarder et tout. Et puis voilà, j'écris une phrase, deux phrases. Il faut écrire 6 pages. 6. Qu'est-ce que je peux écrire de 6 pages sur un texte comme ça? Évidemment, mais ils veulent une réflexion. Ça ne vient pas. 4 heures. Le contrôle dure 4 heures. Donc voilà. Debout. Je suis dans la merde. Je commence à dormir. Je me suis endormie, c'était bien. Après avoir lu le texte, de toute façon, c'est comme vous ne comprenez pas grand-chose, ça ne fait pas marcher la tête. Donc directement, ce que vous avez envie de faire, c'est de... Et après, une semaine plus tard, on a les notes. Donc, il y a le prof de philo qui vient me parler. Il me dit, Issa, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un blocage ou c'est... J'ai pas voulu te donner 0, hein, mais... Bon, d'accord. Mais bon, tu as eu 2. Vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Et puis les autres?